chers téléspectateurs, cette émission est enregistrée le 9 janvier 2018 et il se trouve que c'est le jour qui correspond au centenaire de la fameuse déclaration des 14 points du président Wilson qui allait peser si lourd sur les lendemains de la Première Guerre mondiale. C'est donc de ce fameux message au Congrès que j'ai l'intention de vous parler aujourd'hui. Alors, on le sait, les États-Unis sont entrés en guerre en avril 1917, après la déclaration de guerre sous-marine à outrance de l'Allemagne, également après une phase de rupture des relations diplomatiques, marquée entre autres par la révélation du fameux télégramme Zimmermann, qui montrait que l'Allemagne était prête à entraîner le Mexique, voire le Japon, dans une guerre contre les États-Unis. Et les Américains, qui n'étaient pas véritablement préparés sur le plan militaire, s'apprêtent en ce début de 1918 à peser de tout leur poids en envoyant en Europe un corps expéditionnaire considérable, puisqu'il s'agit d'y expédier plus de 2 millions de combattants au cours de l'année 1918, et on sait à quel point tout cela va peser sur l'issue de la guerre. C'est dans ce contexte que le président Wilson, élu en 1912, réélu en 1916, entend présenter devant le Congrès, le 9 janvier, ce que sont les buts de guerre des États-Unis. Il va le faire après avoir pris connaissance d'un certain nombre de rapports que lui ont fournis ses conseillers, notamment le fameux colonel House, qui a été un peu son envoyé en Europe depuis le début de la guerre, qui a cherché les voies d'une éventuelle paix de compromis entre les belligérants, sans succès. Et ces retours, ces conseils ont convaincu Wilson que ce qu'il appelle la vieille diplomatie avait vécu, qu'elle avait été un échec complet, qu'il fallait imaginer autre chose quant aux relations entre les nations, entre les États. Il était également convaincu que le système de la paix armée qui prévalait avant 1914 n'était plus viable non plus, que les peuples, les opinions publiques n'en voulaient plus, puisque cette paix armée avait débouché finalement sur la guerre totale que l'on sait. De plus, un certain nombre de groupes, de milieux influents ont développé au cours des années du conflit l'idée pour la suite d'une société des nations, d'une organisation de la vie internationale qui permettrait de se garantir, de se prémunir contre tout retour de la guerre. C'est donc sur la base de ces grands principes que Wilson va réfléchir au contenu du discours qu'il doit présenter le 9 janvier devant le Congrès. Hein, la mise au point est réalisée à partir du 4 janvier pour établir cette liste des buts de guerre. À noter que pour la formuler, on n'a pas consulté les puissances associées, puisqu'il faut le rappeler, en 1917, l'Amérique ne s'est pas alliée aux pays de l'Entente, elle s'est associée, réservant ainsi sa liberté d'action pour les lendemains de la guerre, où elle compte se poser en position d'arbitre par rapport aux vieilles puissances européennes. C'est dans ces conditions que Wilson va présenter ces fameux 14 points. Et il y en a un certain nombre, les 4 premiers et le point 14 qui ont une valeur générale à propos de la diplomatie ouverte, de la liberté des mers, de l'abaissement des barrières douanières, du désarmement, de la création enfin de la SDN. Et puis les autres points relèvent de questions géographiques ou géopolitiques particulières. Alors, si l'on prend cette déclaration, on peut faire à ce propos un certain nombre de remarques. D'abord l'introduction que nous dit Wilson. C'est donc le programme de la paix du monde, on voit que c'est très ambitieux, qui constitue notre programme, et ce programme, le seul possible pour nous, ce qui évidemment en dit long sur les certitudes qui l'animent. Ce programme est le suivant. Alors tout d'abord, les conventions de paix au grand jour, préparées au grand jour, après quoi il n'y aura plus d'entente particulière et secrète d'aucune sorte entre les nations.
avant 1914, notamment pour ce qui concernait les accords militaires, c'est la diplomatie secrète qui prévalait dans une large mesure. Et évidemment, certains considéraient que tout cela avait favorisé l'engrenage fatal qui avait conduit à la guerre, d'où cette annonce de Wilson concernant la diplomatie secrète. Le deuxième point n'est pas une surprise, la liberté absolue de la navigation sur mer, hein, on le sait, c'est la principale raison officielle de l'entrée en guerre américaine, c'est la guerre sous-marine déclenchée par l'Allemagne, les grandes puissances anglo-saxonnes, l'Angleterre naguère, l'Amérique à ce moment-là, étaient foncièrement attachées à la liberté sur mer, sachant qu'il s'agissait aussi des principales puissances navales, et donc cette liberté sur les océans, pour elles, représentait un élément essentiel, d'autant que leur prospérité économique, leur puissance économique reposait en grande partie sur le commerce maritime. Alors, le troisième point envisage, il est intéressant aussi, la suppression autant que possible de toutes les barrières économiques et pour établir des conditions commerciales égales pour toutes les nations. Alors là, c'est le programme classique de ce qu'on pourrait appeler le mondialisme libéral, hein, qui était également le programme de l'Angleterre au XIXe siècle, qui est repris par la puissance américaine, devenue, faut-il le rappeler, à partir de 1890, la première puissance économique du monde, avec les ambitions commerciales correspondantes. Hein. Donc cette dénonciation du protectionnisme est tout à fait dans la logique, dans la suite de ce qu'a été la politique américaine jusque-là. Également, le quatrième point, eh bien, il s'agit d'échanger des garanties suffisantes pour que les armements de chaque pays soient réduits au minimum compatible avec la sécurité intérieure. En gros, c'est un vaste programme de désarmement. Beaucoup avaient considéré que l'une des causes majeures de la guerre de 14, c'était ce qu'on avait appelé la course aux armements, les uns et les autres risquant d'être dépassés, surclassés par leur rival ou leur ennemi potentiel. Il fallait casser là aussi cet engrenage fatal et Wilson faisait valoir les vertus du désarmement, rejetant la fameuse formule selon laquelle celui qui veut la paix prépare la guerre, qui est une formule de sagesse assez ancienne. Hein. Il pensait que le désarmement de toutes les nations aboutirait à la paix garantie. Bon, je crois que l'histoire a bien montré depuis les limites de cette vision des choses. Il y a également un article intéressant, le cinquième, sur l'arrangement librement débattu des revendications coloniales. Alors, à propos duquel il faut tenir compte de la souveraineté et des intérêts des populations en jeu, qui devront peser le même poids que les revendications équitables du gouvernement dont le titre sera à définir. Alors, que faut-il voir derrière tout cela? D'abord, il faut ménager les grandes puissances coloniales que sont la France et l'Angleterre, qui sont de fait associées aux États-Unis avec, dans le cadre de l'entente, mais en même temps, il y a chez les Américains ce souvenir, cette mémoire du fait qu'ils ont été à l'origine une colonie qui s'est de la tutelle britannique, de la tutelle anglaise à la fin du XVIIIe siècle. On sait comment les États-Unis ont soutenu en Amérique latine les mouvements d'émancipation des peuples tournés contre la domination espagnole ou secondairement portugaise. Eh bien, cette vision, cette doctrine anticoloniale, elle affleure dans cette proposition, sachant que là, les choses vont être relativement compliqué car il faudra tenir compte encore une fois des intérêts de la France et de l'allié britannique notamment, des pays qui ne souhaitent pas voir remise en cause évidemment une situation coloniale qui est tout à fait à leur avantage. Mais il y a la perspective du partage des colonies allemandes, il y a la perspective de l'éclatement de l'Empire ottoman avec le débat sur les territoires sous mandat qui va suivre, qui commande un petit peu cet article de la déclaration wilsonienne. Alors, on passe ensuite
aux questions qui concernent des territoires géographiques particuliers. À propos de la Russie, Wilson réclame l'évacuation du pays. Nous sommes là en janvier 1918, la paix de Brest-Litovsk n'est pas encore conclue, l'armistice l'a été en décembre, donc ça veut dire bien sûr que les empires centraux devront évacuer la Russie, quelle que soit l'issue de la guerre au front de l'Est. Hein. En revanche, Wilson demeure extrêmement prudent quant à son attitude vis-à-vis de la révolution bolchevique. Les Américains, bien sûr, c'est quelque chose qui les inquiète. Ils avaient accueilli avec enthousiasme la révolution de février 17 qui ouvrait la voie à l'avènement d'un système parlementaire qu'ils appelaient de leurs vœux. Là, nous sommes avec de nouveaux dirigeants qui sont en place depuis quelques mois, quelques semaines seulement, et il y a une grande incertitude quant à ce que sera leur attitude. Donc les Américains restent très prudents à propos de la Russie, d'autant que dans certains milieux américains, on ne voit pas à ce moment-là d'un mauvais œil les révolutionnaires bolcheviques qui ont reçu certains soutiens aux États-Unis au cours des années précédentes. Hein. Également, le point numéro 7 concerne la Belgique. Alors là, il faut que la Belgique soit évacuée et restaurée, ça c'est pas vraiment une surprise, sans aucune tentative pour restreindre la liberté dont elle jouit. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les approches qui avaient été réalisées, notamment de la partie allemande, les Allemands avaient fait valoir qu'en cas de compromis, eh bien ils souhaitaient contrôler au moins le système ferroviaire belge, pour éventuellement porter leurs forces rapidement sur les rives de la Manche. Alors ça, eh bien, Wilson l'écarte absolument, et ça correspondait évidemment à une exigence aussi des Britanniques. Le point 8 concerne la France, et plus spécialement l'Alsace-Lorraine. Alors il est intéressant là aussi de signaler que certes, le territoire français tout entier devra être libéré. Hein, à l'époque où Wilson parle, il y a toute une partie du nord de la France qui reste occupée par les Allemands, qui sont des régions envahies. Et puis à part, il y a le tort causé à la France par la Prusse en 1871 en ce qui concerne l'Alsace-Lorraine, ce qui a troublé la paix du monde pendant près de 50 ans, puisque ça a maintenu un antagonisme récurrent entre les deux pays. Eh bien ce tort devra être réparé afin que la paix puisse de nouveau être assurée dans l'intérêt de tous. On remarque qu'il n'est pas question là d'une simple récupération du territoire d'Alsace-Lorraine par la France, ce qui peut paraître un petit peu inquiétant à Paris. On sait par ailleurs que le représentant français à Washington, qui a été envoyé là-bas pour suivre l'évolution des dirigeants américains concernant la guerre, André Tardieu, a dû batailler ferme pour que l'on écarte la perspective d'un plébiscite, d'un référendum en Alsace-Lorraine à l'issue de la guerre. Donc là, on maintient, on le voit, une certaine ambiguïté concernant cette question de l'Alsace-Lorraine quant aux relations futures franco-allemandes. Le point 9. La rectification des frontières italiennes doit être opérée conformément aux données clairement perceptibles du principe des nationalités. Alors on sait que Wilson a fait de ce principe des nationalités l'une des bases à venir de la paix qu'il faut construire. Mais en ce qui concerne l'Italie, cela ne va pas sans poser un certain nombre de difficultés, parce que certes l'Italie pourra récupérer les fameuses terres irrédentes du Trentin, de l'Istrie, Trieste, au détriment de l'Empire austro-hongrois, mais les accords secrets conclus à Londres au printemps de 1915 entre l'Italie d'une part, la France et l'Angleterre de l'autre, prévoyaient des annexions beaucoup plus ambitieuses, notamment en ce qui concerne la côte dalmate, en ce qui concerne un protectorat sur l'Albanie. Or là, évidemment, les intérêts italiens peuvent se trouver en contradiction avec ceux de la future Yougoslavie, et on le voit, les Américains
reste extrêmement en retrait sur ce point. Ça sera d'ailleurs l'occasion de conflits entre Wilson et l'Italien Orlando, ensuite durant la conférence de la paix qui se réunira en 1919. Le point 10 concerne les peuples d'Autriche-Hongrie, dont nous désirons voir sauvegarder et assurer la place parmi les nations. Ce qui veut dire que le président américain n'inclut pas dans ses propositions la disparition fatale de l'Autriche-Hongrie, puisqu'il nous dit qu'il entend voir sauvegarder et assurer sa place parmi les nations. Alors c'est une prudence qui s'explique aussi. Il faut rappeler que l'année précédente, en 1917, le nouvel empereur d'Autriche, Charles, avait engagé des négociations secrètes, notamment avec les princes de Bourbon-Parme, dans la perspective d'un éventuel compromis, et l'idée que l'on pourrait éventuellement séparer l'Autriche-Hongrie de son allié allemand demeure, ce qui explique donc la relative prudence manifestée par Wilson sur ce terrain. Mais cela dit, il entend accorder aux différents peuples d'Autriche-Hongrie la possibilité d'un développement autonome. Mais on ne parle pas, on le voit, d'indépendance, de souveraineté complète. Il est question d'autonomie, simplement. Les choses évolueront ensuite, on le sait, jusqu'à l'explosion finale de l'Empire Habsbourg. En ce qui concerne les Balkans, c'est le point 11. La Roumanie, la Serbie, le Monténégro devront être évacués. Ils ont été occupés en 1916 pour la Roumanie, à la fin de 1915 pour la Serbie et le Monténégro par les puissances centrales. Eh bien, ces territoires devront être évacués et il faudra assurer, c'est une des idées fortes de Wilson, un accès libre à la mer pour la Serbie. Il est convaincu que dans sa vision générale, selon laquelle tous les États du monde doivent être en mesure de s'ouvrir au commerce mondial, il faut qu'ils puissent disposer d'un accès à la mer. On retrouvera ce point-là à propos de la Pologne, et donc selon lui, eh bien, ça doit être le cas pour la Serbie. Pour ce qui concerne l'Empire ottoman, eh bien, les régions turques de l'Empire ottoman actuel devront être garanties en matière de souveraineté et de sécurité. Les autres nations qui sont maintenant sous la domination turque, eh bien, elles devront bénéficier d'une sécurité absolue d'existence, avec la pleine possibilité de se développer de façon autonome. On le voit là, on est quand même extrêmement prudent dans les termes, parce qu'il faut bien le dire, le flou le plus général s'impose concernant l'avenir prévisible d'un empire ottoman, d'un homme malade de l'Europe, dont on sait à quel point il a suscité les rivalités de puissance au cours des décennies précédentes. Bien sûr, le détroit des Dardanelles devra rester ouvert comme un passage libre pour les navires de commerce. Ça renvoie au principe, bien sûr, de la liberté des mers. Et il faudra à tout ça la protection de garanties internationales. Le point 13, un État polonais indépendant devra être créé. Cette Pologne rayée de la carte au XVIIIe siècle, à l'issue de trois partages successifs, eh bien, il faut lui redonner son indépendance, lui donner des frontières. Alors là, la question est compliquée. On connaît les aléas qui interviendront quant à la définition ultérieure de la ligne Curzon. Et puis là aussi, la question de l'accès à la mer, ben, ça sera le problème que posera Danzig, on le sait, dans les années d'après. Enfin, le 14e point, il faut une association générale de toutes les nations constituée en vertu de conventions formelles afin d'offrir des garanties mutuelles à tous les États, quelle que soit leur taille et leur puissance. Ça, c'est évidemment l'une des grandes idées wilsoniennes. Ça débouchera sur la création de la SDN. Alors, ces 14 points de Wilson, ils sont très importants. Ils vont commander les débats de la conférence de la paix en 1919. Ils vont être à l'origine de la nouvelle diplomatie souhaitée par le président américain. C'est sur la base de ces 14 points que l'Allemagne, à partir d'octobre 1918, sollicitera l'armistice. En même temps, on voit aussi les limites de ces 14 points. Faut-il rappeler qu'une fois la guerre terminée, une fois Wilson rentré à l'issue de la conférence de la paix, eh bien, le Congrès américain refusera de ratifier sa signature et refusera de ratifier la création de la Société des Nations.
Alors je reçois aujourd'hui Monsieur Gilles Cosson, qui a publié deux ouvrages consacrés à la fin de l'Empire romain sous une forme originale, puisqu'il s'agit de romans historiques, mais appuyés sur une connaissance complète et parfaite de la période. Et de plus, ce sont des ouvrages qui ouvrent la voie à certaines analogies avec notre époque. On comprendra vite pourquoi, puisqu'il s'agit de la période que l'on a l'habitude de désigner comme celle de la décadence romaine, des 4e, 5e siècles. Et Gilles Cosson fait des analogies justement intéressantes avec notre propre époque. Le premier de ses ouvrages, d'ailleurs, se présente avec une couverture un peu énigmatique, hein, dans l'ombre de la décadence, hein, du bas-empire romain à l'Amérique d'aujourd'hui. Et l'on voit en photo à la fois la statue de l'empereur Julien l'Apostat et de dos Barack Obama dans son bureau de la Maison Blanche. Et puis il y a un deuxième ouvrage qui s'appelle « Et Rome s'enfonça dans la nuit », hein, qui a été écrit 3 ans après le précédent. C'est-à-dire que là nous revenons vers le début du 5e siècle, 410 après Jésus-Christ. Le cadre historique de ce roman, de cette réflexion, c'est le sac de Rome par le Visigoth Alaric. Deux ouvrages consacrés à l'histoire romaine, avec encore une fois un fond qui se veut celui d'un récit de type romanesque. Le premier ouvrage, eh bien, nous raconte ou revient sur la campagne de l'empereur Julien contre les Parthes, donc au milieu du 4e siècle. Et le deuxième ouvrage, eh bien, met en scène un vieux sénateur qui nous raconte, qui revient sur son existence, qui va négocier à la fois avec l'empereur Honorius installé à Ravenne, le pape Innocent Ier, Alaric, le roi des Visigoths. Mais toute cette trame narrative, en fait, est avant tout le prétexte à une réflexion de fond, à un certain nombre d'analogies, je l'ai dit, avec notre époque. Quelles sont les raisons de cette décadence, de ce déclin de Rome à ce moment-là, et quels sont les parallèles qu'il est possible d'établir avec notre époque, avec le recul dont nous disposons aujourd'hui. Alors ce travail tout à fait original, et le fait donc de Gilles Cosson, qui est un polytechnicien de formation, qui a fait une carrière dans les affaires, tout à fait classique, mais qui fait partie d'une espèce malheureusement en voie de disparition, c'est celle de ces gens qui ont un violon d'ingres auquel ils se consacrent corps et âme. Dans son cas, c'est l'histoire, et évidemment, il ne pouvait être que le bienvenu à notre émission. Alors, Gilles Cosson, le premier ouvrage, donc, dans l'ombre de la décadence, vous mettez en scène l'empereur Julien dans son ultime campagne en Orient contre les Parthes. Peut-être faut-il rappeler rapidement pour nos téléspectateurs qui est cet empereur, connu surtout à travers son surnom de Julien l'Apostat, hein, qui a pris la dimension d'un véritable mythe pour beaucoup, hein. Je renvoie notamment à l'ouvrage de Jacques-Benoît Méchain sur le personnage. Alors, qui était le vrai Julien, et quelles sont les circonstances historiques de votre premier ouvrage ? Eh bien, merci d'abord cette introduction. Quant à Julien, il faut bien voir que c'est un empereur atypique, parce qu'il n'aurait jamais dû régner. Son cousin, petit-fils de Constantin, comme lui, mais pas avec la même grand-mère, était un homme qui a été empereur fort longtemps sous le nom de Constance II et qui avait fait exterminer toute sa famille, pour être bien sûr, comme on pratiquait à l'époque, de ne pas avoir de concurrents. Tradition perpétuée ensuite par les sultans ottomans. Voilà, Julien avait survécu, on le dit caché dans les plis d'une tenue de légionnaire, la question est controversée. Toujours est-il que Julien, qui est très jeune lors de sa mort, puisqu'il mourra 32 ans, et tout d'un coup appelé à Milan, où se trouve à l'époque l'empereur,
Parce que la descendance de l'empereur du moment est incertaine et que l'impératrice l'a prise souvent en affection. Alors on l'envoie pour une mission théoriquement de tout repos en Gaule, sous chapeauté, ou du moins qui devrait être chapeauté par le général local. Et puis voilà que Julien se met à tout l'exercice militaire avec beaucoup de courage, il apprend un maniement de l'épée, il apprend tout, alors qu'il avait plutôt été du genre philosophe, puisqu'il avait été à l'école d'Athènes pendant un certain temps, où il avait dû rencontrer Grégoire de Nazian, ce qui lui collera ensuite le surnom d'apostat. Et donc Julien fait preuve à ce moment-là d'une autorité militaire stupéfiante, et il défait à plate couture le roi des Goths, qui s'appelait Cnodomer, dans une bataille qui se situe près de Strasbourg d'aujourd'hui. Et du coup, les légions enthousiastes, à son retour à Lutèce, notre bon Paris, le proclament contre sa volonté initiale Auguste, c'est-à-dire empereur. Alors bien entendu, à l'époque, il ne peut pas y avoir à la fois deux empereurs, donc il est plongé dans une sorte de conflit théorique avec son cousin, mais voilà que le cousin a la bonne idée de mourir au moment où il vient vers lui avec ses légions, et du coup, le cousin, d'ailleurs, de façon, on dirait, très sportive aujourd'hui, le désigne comme son successeur. Et bien donc, Julien a 30 ans, 31, empereur d'Orient, et chargé, par conséquent, de veiller aux frontières, comme c'était l'usage, et même la grande préoccupation des empereurs de l'époque. Alors, c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il fait, et il a, à ce moment-là, avant tout un adversaire, vous l'avez très bien dit, l'empereur des Parthes, et qui, bien entendu, est un ennemi, j'allais dire ancestral, archétypal de Rome. Et alors même qu'il se rend compte à Antioche que le ver est dans le fruit, c'est-à-dire qu'au fond, la population orientale de l'Empire s'est abrutie dans les plaisirs et ne pense plus du tout à se battre, alors même que donc, la situation n'est pas bonne et que d'ailleurs les augures le lui déconseillent, les fameux augures sibyllins, il décide malgré cela de partir dans un affrontement brutal avec le roi des Perses, Cosroès. Alors, ça se passe au départ très bien. Et ce qui est passionnant, et ce que les gens ne savent pas, c'est que Julien écrit ses mémoires. J'ai eu la chance de bénéficier d'une édition complète des œuvres de Julien, c'est quelque chose comme 600 pages. C'est fabuleux quand on y pense. Et alors, il raconte, d'une part, les déceptions qu'il éprouve en voyant ce qui est devenu Antioche, d'où il va partir en campagne, plongé dans les plaisirs, avec des mœurs très relâchées. Et puis, il raconte sa campagne. Et alors, sa campagne est émouvante, parce qu'il suit le trajet de ses grands anciens, Trajan, etc. Et puis, lorsqu'il arrive au bord du Tigre, c'est-à-dire tout près de la capitale, qui s'appelle Ctésiphon, et qui se trouve, c'est comme assez extraordinaire, à 20 km du Bagdad d'aujourd'hui, eh bien, il se rend compte que, contrairement à ce qu'il espérait, les Parthes vont pratiquer une guerre d'usure et lui refuseront, disons, le traité qu'il espérait. Suit une retraite qui fait beaucoup penser à la retraite de Napoléon en Russie, car lui aussi a vaincu, mais il part. Et il part, et dans cette retraite, il va arriver exactement ce qui est arrivé à Napoléon, sauf qu'il fait chaud au lieu qu'il fasse froid. C'est-à-dire qu'il est attaqué en permanence par des partis à la fois inspirés par les Parthes, également les cavaliers saracénis, on retrouve les sarrasins de demain, qui de coup de main en coup de main affaiblissent l'armée, la démoralisent, et un beau jour, ce pauvre Julien, sortant de sa tente sans sa cuirasse parce qu'il y a une attaque imprévue, se fait tuer et donc meurt glorieusement au combat. Il avait envisagé cette mort de façon tout à fait claire. Et il représente donc, c'est là qu'on arrive dans le sujet que vous évoquez, le dernier sursaut de la tradition. C'est-à-dire un empereur mettant sa vie au second plan et absolument décidé à rendre à Rome la gloire de ses ancêtres, gloire largement militaire, fondé sur le courage et le don de soi. Alors, il échoue, mais c'est en même temps une très belle fin. Alors, je m'étais amusé à faire un petit commentaire et un parallèle avec le président Obama. Pourquoi ? Parce que Julien, comme Obama, n'aurait jamais dû régner président américain. Et ils y sont arrivés à la suite de crises qui les ont fait sortir du néant, où ils étaient plus ou moins premiers. Enfin, être sénateur américain est déjà très bien, mais néanmoins, pour arriver au tout premier rang. Obama, on le sait, c'est à la suite de la crise financière terrible de 2007-2008. Et Julien, c'est à la suite des problèmes aux frontières qui se multiplient en Gaule et qui fait qu'on cherche désespérément un sauveur. Et voilà deux sauveurs qui sont apparus à des moments imprévus. Alors Obama a eu la chance de finir d'une façon plus paisible dans son rôle
Julien, mais néanmoins, il y a quelques points communs. Pas tous, enfin quelques-uns. Voilà. Alors, ça, c'est la matière de votre premier ouvrage, donc Dans l'ombre de la décadence. Alors, le deuxième, Et Rome s'enfonça dans la nuit, c'est un autre épisode historique postérieur. Nous sommes en 410. 40 ans après. Il s'agit du sac de Rome par l'ego d'Alaric. Alors, comment se présente là la situation ? Alors écoutez, si on peut dire que l'époque de Julien représente les prémices de la maladie, qui est déjà bien installée, mais qui n'est encore qu'au stade latent, le sac de Rome, c'est l'agonie. La maladie s'est développée furieusement dans l'intervalle, les empereurs qui sont succédés, y compris les moins mauvais, comme Théodose, dit le Grand, Théodose a fait entrer massivement les barbares dans l'armée, parce que les Romains ne veulent plus se battre. La jeunesse romaine est abonnée au plaisir, les jeux du cirque, l'hippodrome, les concubines, enfin voilà, c'est la vie hédoniste. Et donc le problème s'est aggravé. Théodose a cru, et il a réussi pendant son règne qui se termine en 395, c'est-à-dire 20 ans avant l'époque dont je vais parler, il a réussi à maintenir une paix, mais c'est une paix assez artificielle, parce qu'ayant enroulé partout des barbares et leur donnant des terres, il a vraiment installé à l'intérieur même de l'Empire ceux qui vont l'abattre. Et donc arrive cette période dramatique, et inimaginable encore 10 ans avant, parce que ne voilà-t-il pas que les Visigoths, chassés par les Huns, ça je crois qu'il faut toujours le dire à ceux qui nous écoutent, car la pression des Huns commence vers les années 390. Un chef Hun qui s'appelle Balamir arrive du fin fond de l'Asie et repousse comme un rouleau compresseur devant lui les Goths, les Ostrogoths, les Goths de l'Est, et les Visigoths, qui sont plutôt les Goths de l'Ouest. Et ces malheureux, assaillis et perdant leurs terres, en partie chassés d'Ukraine, chassés de tous ces endroits-là, demandent désespérément à l'Empire le droit de s'installer à l'intérieur. Et on leur donne à l'époque la possibilité de s'installer au sud du Danube, suit une période très pénible où la concussion règne, ils sont très maltraités, ils se révoltent, et finalement, on arrive à cette période dramatique que les Visigoths, pourtant théoriquement fédérés, alliés de l'Empire, se révoltent, et le roi Alaric, qui est un roi très énergique, vient mettre le siège devant Rome, inimaginable depuis 800 ans. Car il faut rappeler que ce sont nos ancêtres, les Gaulois de Brennus. L'échec voilà. Des Gaulois. Et donc le siège de Rome commence. Alors ça se passe quand ? Ça se passe en 408. À l'automne 408, il y a un empereur faible réfugié à Ravenne où il est tranquille, Honorius, vous l'avez bien nommé. Et cet empereur, au fond, considère que Rome, certainement, est une capitale historique, mais qu'elle ne vaut pas le fait qu'on se fasse tuer pour elle. Donc il est tranquillement là, et Rome tient avec des troupes, que j'allais dire supplétives, des gens de l'intérieur, il n'y a pas vraiment de légion à l'intérieur, ils résistent. Mais ça, c'est intéressant, et c'est d'ailleurs chose qui va nous différencier de l'époque actuelle. Les Goths, et en fait les Visigoths, ne demanderaient qu'une chose, c'est d'être considérés comme de grands et entiers citoyens romains, et ils souhaitent aussi, le roi des Visigoths, devenir le chef suprême de l'armée romaine. Donc on est devant une des peuplades en voie d'intégration, ou du moins qui souhaite l'intégration. Néanmoins, il négocie férocement, comme c'est l'usage, et il demande à l'empereur beaucoup d'argent, il demande à l'empereur des titres, ce qu'on appelle magister militum, appelons le commandant en chef de l'armée. Et puis la situation se prolonge. Passe un premier hiver, avec ses drames, épidémie de peste, affaiblissement des morts très courante des enfants et des personnes âgées, enfin tous les personnels faibles. Et donc c'est le moment où le Sénat, qui avait d'ailleurs déjà tenté, de s'interposer entre Visigoth et l'empereur Honorius, va chercher ce vieux sénateur qui a combattu très jeune avec Julien. Voilà, c'est le lien entre les deux ouvrages. Ouais. Voilà le lien, et qui se souvenant de ce grand empereur, malgré son âge, car à l'époque on est vieux à 60 ans, malgré son âge, décide de venir prêter main forte dans les négociations. Il s'y efforce, avec talent et peu de moyens, car les Visigoths ont toutes les cartes en main. Néanmoins, le prestige de l'empereur et de l'Empire subsiste, et il y a donc quand même matière à discussion. Alors il va s'efforcer d'établir une paix durable, il va presque y arriver, et puis au dernier moment, une intrigue de palais, comme il y en a eu beaucoup à cette époque, fait que Alaric est attaqué par surprise alors qu'il venait transiger
avec l'empereur, et Foudrage se retourne à Rome et donne l'assaut. Et cet assaut, c'est la première prise de Rome depuis 800 ans, mais différence aussi avec ce qu'on pourrait imaginer, le Vigo Alaric est chrétien. Il est chrétien arien, c'est-à-dire qu'il considère que Dieu le Père a le pas sur Dieu le Fils, qui est une espèce un petit peu inférieure. Et à ce moment-là, il a quand même le respect des églises, et Rome va être mise à sac sans pitié, avec pas mal d'assassinats, de tout ce qu'on veut, évidemment des vols partout, un pillage généralisé, mais il respectera les églises, qui seront considérées par lui comme des lieux sacrés. Ce qui fait que ceux qui se sont réfugiés dans les églises, et c'est pas le cas de mon héros qui meurt noblement, mais c'est le cas de beaucoup de familles, seront sauvés. Et le pape de l'époque, qui s'appelle Innocent Ier, qui est un homme remarquable, qui assoit l'autorité de l'Église sur tous les diocèses occidentaux, et y compris celui de Thessalonique en Grèce, mais pas sur l'Orient proprement dit, qui considère qu'il est à part, ce grand pape, qui aura joué un rôle également dans les négociations, va protéger de son autorité tous ceux qu'il pourra protéger. Et l'on arrive donc à ce sac de Rome qui a été un séisme prodigieux dans l'Empire, mais qui ne dure que 3 jours, et dont ce que les gens souvent ignorent, et que j'ai beaucoup de plaisir à creuser la documentation, va se traduire en fait assez rapidement par rétablissement de Rome, qui va remonter ses immeubles et même sa richesse. Et la deuxième grande catastrophe qui arrive encore après, c'est le sac par les Vandales en 450 et quelques. Alors là, c'est la fin, c'est vraiment la fin. Mais néanmoins, cette époque est déjà, disons, le premier choc de l'agonie. Elle va se prolonger 40 ans, mais elle est déjà très gravement engagée. Voilà. Alors, cet intérêt pour cette histoire romaine finissante, pour cette antiquité tardive que vous avez manifesté en piochant ces questions, il est justifié en grande partie par votre démarche d'analogie, de comparaison avec notre époque. Le thème de la décadence romaine, ça renvoie à Gibbone, ça renvoie à Maroux et à son antiquité tardive, etc. Ce thème de la décadence romaine, ça obsède un petit peu l'Occident depuis le XVIIIe siècle, en fait. Hein. Et ça vous a amené à faire, encore une fois, établir des comparaisons éclairantes avec l'époque qui est la nôtre. Quels sont, selon vous, les éléments qui expliquent pour l'essentiel, la chute de cette puissance romaine qui s'était imposée depuis tant de siècles, qui avait réussi à instaurer la Pax Romana sur un espace gigantesque, allant de l'Euphrate à l'Atlantique et du Danube jusqu'à Assouan sur le Nil. Qu'est-ce qui a fait que cet empire, protégé par son limès, par la force de ses légions, a pu ainsi s'effondrer, alors qu'il avait été pendant des années le porteur d'une civilisation, il faut bien le dire, supérieure, l'héritier de la civilisation grecque qui l'avait précédé. Alors il y a plusieurs facteurs d'explication, bien sûr la pression des barbares, certains ont mis en cause le rôle du christianisme ce déclin. Il y a tout un débat qui reste ouvert sur cette question. Avec la connaissance que vous avez acquise de la période, quelle est votre vision des choses sur ce point? Et à partir de là, quelles sont éventuellement les leçons que l'on pourrait tirer de cette histoire passée? Oui, tout à fait. C'est très intéressant et j'y ai consacré pas mal de lectures et de réflexions parce qu'un certain nombre de causes, j'allais dire, sont répertoriées de façon traditionnelle, j'y reviens rapidement, mais elles sont justes. Il y a le fait que la pression des barbares, eux-mêmes sous la pression des Huns, augmente sans cesse. Ça, c'est indiscutable, en partie toutes les tribus germaniques, les Goths, Ostrogoths, etc. Mais il y a aussi toute une série de facteurs propres à l'Empire lui-même, c'est-à-dire l'hédonisme dont je parlais tout à l'heure, le fait que la population n'a plus envie de se battre, il n'y a plus d'officiers. On a beaucoup de mal à recruter des gens qui ont envie de se battre. Il y a aussi l'édit de Caracalla, qu'on oublie parfois, qui a donné la cité romaine en 212, et qui fait que là où le légionnaire avait la citoyenneté après 25 ans de service, aujourd'hui tout le monde l'a.
Donc c'est un facteur qui ne pousse pas les gens à s'enrôler dans les légions, ceux qui sont extérieurs à l'Empire, j'entends, puisque les autres sont déjà citoyens. Alors il y a ça, il y a aussi le délabrement des finances publiques, ce n'est pas négligeable, qui se traduit par des impôts excessifs, et ces impôts font que, par exemple, ce qu'on appelle l'évergétif, c'est-à-dire le fait que les fonctions importantes de sénateurs ou de municipes étaient autrefois l'occasion de distribuer des largesses. C'était très important, du on pain, avait des temps. Du pain et des jeux. Voilà. Eh bien, cette fonction-là va décliner beaucoup parce que les gens sont déjà très pressurés. Ils ne veulent plus prendre ces fonctions. On n'a plus de candidats pour être municipe, enfin, etc. Alors, ajoutez à cela, bien entendu, le fait aussi, et ça, on l'oublie souvent, que les pestes sévissent à répétition et provoquent, sur le plan démographique, un affaiblissement de l'Empire. Ça, on l'oublie, mais c'est très important. Mais je vais en venir au point, pour moi, le plus important. Il y a aussi le refroidissement du climat, attesté par l'étude qui a été faite, en particulier des coupes d'arbres, et qui se traduit par des faits indiscutables. C'est que, ça nous paraît très étonnant aujourd'hui, le Danube gèle, le Rhin gèle. C'est comme ça que les barbares le franchissent d'ailleurs. Et les barbares franchissent le Rhin gelé en masse, et le Danube en masse. Ce qui fait que tous ces facteurs contribuent, chacun pour une part, à l'affaiblissement de l'Empire. Il y a les causes endogènes, c'est-à-dire celles de l'affaiblissement de l'esprit civique, l'affaiblissement du courage militaire étant pour moi les plus importantes. Mais alors il y a une cause qu'on évoque peu et qui pour moi est capitale et qui est le résultat de mes réflexions, c'est le fait que la classe moyenne romaine de l'époque, la plèbe, appelons-la par son nom, qui avait été lors de la République le plus ferme soutien de la République romaine, puisque l'homme de la plèbe avait d'abord ses tribuns, qui avaient conquis l'autre lutte, qui étaient sacrés, personne n'avait le droit de toucher aux tribuns de la plèbe. La plèbe avait une fonction cardinale de se lever, comme la levée en masse, quand l'Empire, à l'époque de la République, était attaqué, chaque citoyen prenait sa lance et partait au combat. Alors là, la plèbe est plongée depuis le IIe siècle dans un processus d'affaiblissement catastrophique. Or, c'est le cœur de la citoyenneté. Et vous avez, comme toujours, y compris aujourd'hui, une plèbe qui représente la masse des citoyens, les artisans, les petits propriétaires terriens, etc., etc., ce qu'on appellerait les classes moyennes de l'époque. Elle est très affaiblie pourquoi ? Elle est très affaiblie parce que, d'abord, les conquêtes de Rome ont contribué à sa perte. Le grenier à blé égyptien, rappelons que l'Égypte à l'époque, c'est personne, quelques habitants, mais les plaines sont là, elles font beaucoup de bon blé. Le grenier à blé de la Numidie, en pratique s'appelle la Tingitane, la Tunisie, autour de Carthage, fournissent des quantités considérables à très bas coût. D'abord parce que la main-d'œuvre est moins chère, là aussi, et aussi parce que les terres sont prospères. Comparer le delta du Nil avec les pauvres plaines, les pauvres collines du Latium, misérables, aujourd'hui encore, avec des champs petits qui produisent mal. Donc tout ceci fait que la plèbe s'affaiblit, et qu'au bout d'un moment, arrive le pire qui pouvait arriver, elle devient assistée. C'est le fameux Panem et Circenses. Les empereurs et les sénateurs achètent la paix civile en donnant à leur clientèle de quoi vivre. Distribution d'argent, distribution de farine gratuite. Et tous ces gens prennent l'habitude de vivre, leur fierté disparaît puisqu'ils sont assistés. Ça, c'est très cruel. Et donc la plèbe est devenue, à l'époque dont nous parlons, une charge et non plus un élément moteur. Alors ceci m'amène à notre époque. Est-ce que j'ai le droit d'en dire un petit mot ? Oui, il nous reste une minute et demie. Voilà. Voilà. C'est que le fait qu'aujourd'hui, le drame des classes moyennes, c'était vraiment que le fait que les esclaves d'autrefois qui faisaient le travail ont été remplacés par les ouvriers du tiers-monde, le salaire au Bangladesh étant le 50e des salaires aux États-Unis ou en Europe. L'aristocratie d'État d'aujourd'hui, bon, on voit bien de quoi je parle. On voit bien ses limites. Voilà. Et tout ceci, au milieu, on va trouver la classe moyenne qui se rend compte, avec juste raison, qu'elle est en perte de vitesse, qu'elle ne compte plus guère et qu'elle n'a plus beaucoup d'issue, sinon une sorte de révolte comme celle qu'on observe aux États-Unis, puisque tout le monde conviendra que le président Trump a été élu par les anciens ouvriers de General Motors, profondément déçus, les manufacturiers, les ouvriers de manufacture, par la tournure que prenait l'économie américaine. Donc là, il y a un point de comparaison très douloureux, mais très fort.
et dans lequel on découvre que la mondialisation est au fond le fourrier de l'appauvrissement de ce qui était le socle même de l'État républicain. Et ça, c'est très grave. Alors, ajoutez-y tous les autres facteurs, le déficit de l'État, qui est d'ailleurs lié à l'assistanat, une certaine forme d'abandon de l'austérité des mœurs, il faut bien le dire. Ajoutez-y aussi le fait que, effectivement, l'État, en déficit permanent, est obligé de s'endetter, et donc, en fait, est de plus en plus faible. Tout ça nous amène à notre époque. Ben écoutez, merci beaucoup pour ces réflexions et ces analogies particulièrement éclairantes, Gilles Cosson. Je rappelle les titres de vos deux ouvrages, « Dans l'ombre de la décadence, du bas-empire romain à l'Amérique d'aujourd'hui », et le deuxième est « Rome s'enfonça dans la nuit », il s'agit du sac de Rome par Alaric en 410. Ces deux ouvrages sont publiés aux éditions de Paris, Max Chaleil. Merci beaucoup. Moi, c'est moi qui vous remercie.